Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration Kids Club. Alors aujourd'hui, on va faire un petit baby foot, voilà, assez particulier, donc avec des pinces à linge, et je vais vous montrer comment on fait ça tout de suite. Alors pour ça, on a besoin bien sûr d'un carton, donc voilà, vous pouvez très bien prendre une boîte à chaussures, des pinces à linge, des petites piques en bois, une règle. Voilà, donc après si vous voulez les colorer, hein, voilà, on peut, voilà, vous avez le duct tape ici, ou sinon vous pouvez les peindre. Voilà, c'est plusieurs possibilités. Ici peut-être que vous allez avoir besoin d'une perforeuse, pourquoi pas. Et voilà, donc après cutter, ciseaux, et c'est parti, on y va. Donc pour commencer, on va faire les équipes. Donc pour ça, bon ben, on va avoir besoin donc, du duct tape pour colorer les pinces à linge et identifier les différentes équipes. Comme ça, ce sera plus simple, voilà. Ok, donc les équipes sont terminées. Donc on a l'équipe violette, l'équipe turquoise. Voilà, donc après bon, on passe du coup la pique comme ça là sur le monzette. Donc le but c'est qu'on puisse bien les bouger, qu'il y a assez de place. Voilà. Après, il faut bien le mettre à la bonne hauteur pour qu'elle puisse, voilà, qu'on puisse jouer avec la balle. Hein. Voilà. Bon, je vais essayer de voir voilà, la hauteur qui serait idéale, du coup, pour pas que ça ben, rafle le sol quand on frappe et pour pas qu'on ait un problème au niveau, voilà, que ce soit trop haut, donc c'est-à-dire qu'on peut pas shooter dans la balle, donc voilà, donc on va... Alors là, bon bah là c'est le gardien, donc il faudra le mettre vraiment bien... Comme ça, donc après bien sûr, il faut vraiment laisser une distance pour que, bon, tout puisse bien bouger quand on... Voilà, donc là j'ai... 5 cm à chaque fois, on va laisser donc 5 cm du bord. Et au niveau de la hauteur, on va mettre à peu près donc 4 cm du haut. Voilà. Donc là, j'ai fait... Là. Donc faut vraiment voilà à peu près 4 centimètres entre chaque barre hein, de joueurs. Ok, bon bien sûr là je prends les ciseaux, mais bien sûr il faut l'aide des parents, hein. C'est important parce que ça il faut de la force et c'est voilà, faut pas faire de bêtises non plus. Donc après on tourne, on fait un gros trou en fait. Voilà. Ok, donc là on a collé, enfin on a du coup mis en place nos bandes hein, de bois, nos baguettes. Voilà, donc, mettez bien, on va dire 4-5 cm, enfin on va dire 5 cm, 4-5 cm entre les joueurs. Voilà, donc moi là, ici 9,5 cm, j'ai besoin de large et
4,5 cm de haut. Donc voilà, s'il nous faut donc les gardiens de but. Hein. Donc là, on met les joueurs. Voilà, donc là, notre baby foot est terminé. Voilà, donc ça, maintenant il manque plus qu'une petite balle. Et donc ça fait un petit baby foot sympa. Voilà. Vous avez vu, hein, c'est pas compliqué à faire, c'est rapide. Et puis ça, voilà, ça permet de s'occuper un petit peu. Et puis bon, ben, c'est un baby foot un peu basique. Mais pourquoi pas, ça peut être sympa, ça peut être rigolo. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à écrire des commentaires, à aimer la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à une prochaine. Salut !